ceux qui sont des églises religieuses. On est les mêmes. Ce sont des enfants qu'on a vu grandir. Les pasteurs. Je connais son âge. Il est de 1960. Et même mon premier fils est plus grand que lui. Comment les pasteurs se jouent? Comment les hommes de Dieu se portent? Comment on doit les soutenir? Maintenant qu'on vient à l'église, on vient à l'église, on s'occupe de nos enfants, mais on abandonne les hommes de Dieu à leur triste sort. Le meilleur de lui-même. Parce que si je prêche tel que je prêche là, je n'ai pas prié. Je n'ai pas lu. Je ne me suis pas concentré. Quand je viens prêcher, toi, tu ne sens pas l'onction. Tu vas sortir avec trop de murmures. Tu diras, ah, il n'a pas l'onction. Il fait toujours des répétitions. Il regarde seulement les matchs. Kamisala Nzoto. Mais toi, tu ne les soutiens pas. Il a une femme à nourrir. Il a des enfants aussi à élever. C'est comme un responsable, il peut être chef de sa famille. Comme responsable. Mais tout doit venir de toi. Toi, tu dois les soutenir. Tu ne dois jamais aimer que ton pasteur puisse travailler chez les Chinois. Tu ne dois jamais aimer que ton pasteur puisse être serviteur des Libanais. Au jour du culte, tu viens là, je vais l'emmener. Non, il ne faut pas voir ça. Parce que toi, tu ne seras pas sauvé. Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Si lui ne s'est pas sanctifié par la vérité, on va devenir ici. Il n'a pas pris le temps de se sanctifier. Donc, si tu n'auras pas quelque chose de qualité pour ta vie, parce que le sacerdoce est établi pour toi, frère. Amen. Comme moi là, depuis 3 heures que j'étais là, jusque là maintenant, je n'ai pas dormi. Et je ne sais pas si je vais dormir à quelle heure. Parce que j'avais le souci que je puisse donner quand même quelque chose.